Bonjour, donc on se retrouve, c'est Matt 29 et on se retrouve sur ETS2 pour la suite de la découverte du DLC Vive la France. Alors je vais peut-être pas faire d'autres vidéos la semaine d'après parce que tout simplement j'ai trouvé un boulot et que je fais ça pendant mes temps libres, et vu que j'en aurais plus beaucoup de temps libre, et moi je ferai peut-être plus de vidéos pour l'instant. Donc du coup là on part de Bordeaux jusqu'au Mans. Donc on a pour 21 000 €, donc il nous reste 10 heures avant d'arriver, donc on va y aller tout de suite. Pourquoi j'ai coupé le camion? Par contre, je vais peut-être passer en quatrième. Voilà. Donc on va y aller tout de suite. Donc on part de Bordeaux, une petite entreprise à Bordeaux. Allez go. Donc on repart sur la droite, sur la gauche. Il n'y a vraiment pas grand chose ici. Allez hop. C'est parti. Donc maximum 80 km/h sur cette route. Hop, voilà, on se met à 80. Or, on repasse dans Bordeaux. Je repasse à 50. Hein. Je vais pas me prendre des PV, j'ai pas envie. Donc là, on a pour 9 h, il nous reste 9 h avant d'arriver. Bon, ça va aller vite normalement. Ça devrait passer. Au niveau de la vidéo, c'est peut-être la dernière vidéo cette semaine. Après la semaine prochaine, je suis pas sûr d'en faire, je verrai comment ça se passe. Si je reprends comme je faisais avant, c'est-à-dire le week-end des vidéos, mais à mon avis, ça va être juste. Parce que là, dans la semaine, je serai pris. Donc je suis pas sûr d'avoir du temps. Mais on verra. On verra bien ce qui va se passer. L'autre il passe devant moi, il s'en fout. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Allez hop, c'est parti. Là on peut aller maintenant, c'est bon. Non, c'est pas sur celui-là qu'on sort. C'est la prochaine. Normalement on sort ici. Hop, donc on fait gaffe. Hein. Hop, puis le temps pour dire qu'on s'en sert. J'ai un tout petit moins de pêche que les voitures, mais bon. Normalement, il aurait dû me laisser passer. Voilà, je mets mon régulateur à 90 et c'est parti. On y va. Comment il me sert, lui? Bon, normalement, là, ça devrait rouler vite. Hein. Et donc, logiquement, là, je peux terminer la mission et
dans l'épisode, hein. Logiquement. Allez. Donc là, on se dirige vers Le Mans. Vers Le Mans. Pas besoin d'œuf, il n'est que 14h de l'après-midi. Je laisse quand même les veilleuses, mais j'enlève tout ce qui est feu de position. Bah, il va pas vite devant. Il a été vite pour me doubler, mais après il est ralenti. Oups. Normalement, ça sait pas faire. Normalement, il faut prévoir son département. Bien, je pense qu'on va rester là parce que c'est au Mans qu'on va. On remonte vers Nantes et puis après, normalement, on prendra Le Mans. Qu'on finit ça pour aujourd'hui. Du coup, demain il y aura du farming, comme convenu, l'épisode. Et après, il y aura le tutoriel sur préparer les moissons et tout ça avec le tutoriel avec le courseplay. Faire les bots, faire de l'over. J'ai envie de faire aussi de l'overlordage. On verra. Faire du transbordage, on verra ça demain. Bah, du moins vendredi plutôt. Ah, péage. Super. Là, on est en France. Donc, oui. TPH, oui, normal. Je reste tout droit, comme ça je n'ai pas besoin de payer. Je vais juste redescendre la vitesse à 30 pour pouvoir passer tranquillement la barrière. Hop là. Et on repart. Donc là on prend juste le ticket. Donc on passe au télépéage, hein, comme si on avait le code là, l'accès à l'autoroute là. L'abonnement autoroute, comme on appelle ça. Allez, je remets à 90. Devant, ils vont pas assez vite. En même temps, il y a un camion, donc du coup, là, il est ralenti comme pas de. Il ne reste plus que 8 heures à parcourir. Putain, il résiste l'autre. C'est bon? Allez hop. Ça c'est fait. Bon. Bah du coup on va avancer encore un peu. Allez. Tant qu'on peut avancer dans la vidéo, j'avance. Le reste, on verra plus tard. Là, il ne reste plus grand chose à faire, à parcourir. Il ne reste plus que 470 km à parcourir. 7h30 quasiment, donc ça va. D'ailleurs, on va sortir là. Direction Le Mans. Normalement. Ouais, direction l'image, d'accord. Mais non, même pas, on reste sur la même. Je suis con, moi. Heureusement que j'avais vu que c'était pas. Je sais pas ce qui m'arrive dans le truck, moi, en ce moment, mais. C'est pas. C'est un peu folklore quand même. Alors. Paris-Nantes, La Rochelle. Ben Paris-Nantes, hein, toujours. On va vers La Rochelle. Non, c'est toujours tout droit pour l'instant.
Paris-Nantes, et puis après, il y aura une sortie Le Mans. Donc là, il nous reste 7 heures pile et 430 km à parcourir pour arriver au Mans. Allez, tant qu'on avance, c'est sûr, c'est bon. C'est moins bon de reculer, ça c'est sûr. Allez. Tant qu'on peut, mais là, il ne reste plus. Ouais, il nous reste encore quelques minutes, plusieurs minutes même avant que ça se termine l'épisode. Et puis il nous reste plus que 6h30 à parcourir dans le jeu, bien sûr, et 400 km. Donc ça va. L'essence, c'est bon. Par contre, ce qu'il faut que je vérifie, moi, c'est le sommeil. Il nous reste 7 heures. 7 heures et on arrive dans 6 heures. Ouais, non, ça passera. Puis je ferai un petit somme quand il restera que 5 heures de sommeil. Bah 5 heures avant la coupure. On verra. Tant qu'il me reste 7 heures à part quoi, avant la prochaine coupure, je fais pas de repos. Allez. Donc là c'est Nantes-Paris. Ben, on va monter, je pense qu'on va aller jusqu'à Paris encore. On va toujours en direction de Paris, je pense. On a quasiment terminé. Le principe, ça va pas être long. Nantes-Paris. Non, je pense qu'on va rester sur cette voie encore. Sur cette route. Hein. Paris. Si on aurait dû sortir, il nous a indiqué la route de sortir. Donc là, par contre, Matt, calme-toi au niveau de la direction quand même. Ah, il commence à faire nuit. On va mettre juste les feux de position. Ou feux de croisement plutôt. Là, il nous reste 6h30 avant de dormir et on arrive dans 5h30, 5h20. 5h20 pratiquement. 1 heure d'écart entre à peu près entre la coupure et l'arrivée. Donc c'est pas plus mal. Allez. Hop. C'est parti. On y va, on avance tranquillement, mais sûrement. Je pense qu'on va pas tarder à sortir. Vaut ne soyez pas cette sortie, on a vu la prochaine.
Tiens, Le Mans Paris. Hop. On est quasiment. Prochaine sortie, je pense que c'est pour nous. Et puis après, ça sera bon. Par contre, maintenant, dans la semaine, j'aurai plus le temps d'avancer. Donc, ça, à mon avis, je vais pas avoir le temps de le faire. Donc, si jamais il n'y a pas de vidéo, ben il n'y a pas de vidéo, et puis c'est tout. Ben. Je préfère privilégier le boulot que les vidéos. Les vidéos, c'est juste du temps libre. C'est un petit plus. Me faire pour que je fasse quelque chose, mais c'est tout. Vu que j'ai trouvé un boulot, je suis pas sûr de pouvoir faire des vidéos. Je pense pas que ça va être possible vu les horaires. Je finis à 17h le soir. On verra, mais à mon avis, ça va être short. Ça va être impossible, à mon avis, même. Bon. Il nous reste 3h50 avant d'arriver. Et il nous reste 5h24. Avant la coupure, donc c'est bon. Ça se trouve, j'aurais même pas besoin de dormir. L'essence, ça va aussi. Tant mieux. Allez, on avance. Là, je vois que ça va au niveau de la, au niveau du temps de la vidéo, c'est bon, on est bon aussi. Mais il nous reste plus beaucoup d'heures avant d'arriver, il nous reste 3h, 3h30, donc ça va, ça... 3h30 dans le jeu, bien sûr. C'est pas 3h en vrai. Il nous reste juste 210 km à parcourir encore. Environ. C'est quand qu'on arrive. Bientôt, bientôt. Aïe, aïe, aïe. Mais je crois que là, la prochaine sortie, c'est pour nous, mon avis, non? Paris, c'est tout droit, Le Mans, c'est là. Ouais, donc c'est ça, on va sortir là. Le Havre, Le Mans. Allez. Clignotant. Pour dire qu'on sort. On s'en sert sur la voie de... sur la sortie. Hop. On réduit notre vitesse. Et on remonte tranquillement. Allez, c'est reparti pour 2h50. Je remets le régulateur et c'est reparti. Normalement, j'aurai le temps de finir la mission pour l'épisode, j'espère. Voilà. Il reste plus que 2h30 avant d'arriver. Et on arrive et on doit dormir dans 4h20. Ouais, ça devrait passer.
J'ai la flemme de dormir. Après, je peux dormir, mais bon. Ça rallonge la vidéo. Allez. Merde, j'ai pas besoin de faire d'essence, je vais juste dormir. Hop. On va sur le parking. Et normalement, les parkings pour poids lourd. Il est là. Hop. C'est bon. Allez hop. Là, il me reste assez de temps avant de dormir, avant d'arriver, donc c'est bon. Normalement, je devrais avoir assez de temps. Allez, on relance le camion. Je remets le régulateur à 90. Et c'est reparti. Ça va être limite. Il nous reste 2 heures. Avant d'arriver, il ne reste plus beaucoup de temps dans la vidéo. Quelques minutes, mais vraiment quelques minutes. À mon avis, j'aurai pas le temps de terminer la vidéo sur cette mission-là. Je vais être obligé de terminer la mission après. Mais du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je pense que j'aurai pas le temps. Déjà, j'aurai même plus le temps d'avancer. Peut-être ne plus avoir le temps d'avancer mes épisodes et tout ça. Alors, ça va être la merde. Donc, je pense que je vais mettre un petit peu une pause sur mes vidéos YouTube. Puis, je préfère avoir un travail que faire des vidéos. C'est plus avantageux au niveau souffle. Parce que mes vidéos, je fais ça pour le plaisir, donc je me fais pas payer pour ça. Je joue pas l'intérêt, je préfère vraiment gagner autre chose. Non, vraiment, c'est tout drôle encore. Bon. Il nous reste 1h09. Quasiment 1 heure même. Ça va tellement vite. Et il nous reste même pas beaucoup. Trop peu de temps pour qu'on finisse l'épisode. Non, la mission dans l'épisode. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, de manière, des fois. C'est pas un souci. Toi, t'attends que je passe avant d'y aller. Merci. D'ici là, nous, on va se quitter là-dessus. Donc demain, on se retrouve quand même pour le dernier, ben, pour un épisode sur FS17. Il n'y en aura pas la semaine prochaine. Et puis vendredi, ce sera du tutoriel sur le course play au niveau de FS17. Donc du coup, on se dit à demain. Allez, ciao ciao.